Ah, vous la sentez, cette pression des barrages qui arrive, cette pression sur les matchs à élimination directe, ces matchs couperet, des matchs qu'on aime, car c'est vrai que c'est des matchs fous à vivre sur une seule rencontre. Et, les Sochaliens vont en disputer une dès ce mardi contre le Paris FC. Mais avant, on va vous donner les autres résultats de cette 38e et dernière journée en Ligue 2, avec tout d'abord Guingamp qui a battu Le Havre 2 buts à 1. Quevilly a battu Dunkerque 3 buts à 1. Nîmes s'est incliné plutôt chez lui face à Bastia 2 à 0. Le Pau FC est allé battre Nancy 3 buts à 2. Valenciennes en a fait du même du côté de Niort 2 buts à 1. Et puis Rodez a battu Caen 2 buts à 0. Alors relégué pour le moment, bon, on en parlera tout à l'heure. On va s'intéresser un peu à la tête de ce classement avec tout d'abord le match entre le Paris FC et puis cette équipe de Grenoble. Alors, c'est un match, une rencontre où forcément tous les Sochaliens avaient l'œil rivé sur les téléphones. Moi, je dis tous les Sochaliens parce que voilà, je me sens concerné. J'avais l'œil aussi sur la rencontre de Sochaux, donc à Stade Bonal contre Dijon. Et j'avais aussi un œil, comme voilà, comme un peu Philippe Clément, l'entraîneur de Monaco tout à l'heure, sur le résultat du score entre le Paris FC et Grenoble. Bon, ça commençait bien avec l'ouverture du score de Sochaux. Et puis, voilà, le Paris FC qui avait du mal à justement à mettre ce premier but contre Grenoble. Mais les Parisiens se sont imposés 2 à 0. Écoutez la réaction de Thierry Loret, vous allez voir. Il est déjà projeté sur le match contre Sochaux et il est bien content que le match ait lieu du côté du Paris FC et pas forcément du côté de Sochaux, tant il y avait du monde contre Dijon. Et oui, plus de 19 000 supporters étaient présents du côté du stade Auguste Bonnal. Donc il préfère quand même que le match ait lieu du côté du stade Paris FC. Ouais. Non, mais c'est pas le score le résultat ou le score qui me. C'est qu'on a des garçons qui sont sortis un peu handicapés. Alors lui, on va voir. C'est une douleur qui est pas catastrophique. Non, c'est au fessier, ouais. C'est. Je sais pas, on verra. C'est pas. Ça, je peux pas te dire grand-chose. Je suis plus inquiet quand même pour Walid. Voilà, parce que. Il a senti que ça avait bougé un peu dans le genou, donc c'est toujours une inquiétude quand on entend le ressenti du joueur. Voilà, on a gagné, on est quatrième comme on voulait l'être, c'est très très bien, mais voilà, on aurait aimé pouvoir conserver tout le monde. Bon, alors on a des garçons qui vont compléter ce soir, on n'avait pas Lamine Gueye, on n'avait pas Axel, on n'avait pas Mahamé, donc on les avait préservés, donc ça va nous apporter un petit peu de fraîcheur, mais c'est toujours embêtant, quoi. Voilà. Ouais, un problème incroyable. Donc bon, c'est comme ça. On a préféré le soigner, puis on l'a laissé tranquille. Il va revenir. S'il doit être dans le groupe mardi, il le sera. C'est pas le problème. Mais c'est un petit contretemps. On aurait aimé pouvoir le voir jouer un peu ce soir. Surtout que c'était à 2-0, ça aurait été une bonne chose de le faire rentrer. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un équilibre. Alors. Voilà, c'est heureusement que c'était la 38e journée. Ça n'a pas été toujours équilibré, quoi. Voilà. Donc c'est le. Après, on se devait de gagner, donc c'est. Et puis même si on n'avait pas gagné, c'était pas la catastrophe non plus. Donc j'avais dit, donc il n'y avait pas un grand risque non plus, mais on a fait les choses sérieusement quand même, malgré tout, parce que je pense qu'on pouvait ouvrir le score en première période quand même. On a eu pas mal de situations. On l'a fait en deuxième, bon voilà, sur une situation, sur un coup de pied arrêté. Mais on n'a pas tremblé non plus, voilà, faut être honnête. Mais on doit faire mieux. On doit faire mieux, surtout si on veut aller loin dans ces matchs de barrage, quoi. Pour pas déjà passer le premier, faudra afficher un petit plus quand même. Un petit plus. Il y avait du sérieux, il y avait de la rigueur, c'était pas mal, mais il nous manque un petit peu d'efficacité quand même. Ah oui, malheureusement, là. C'est pas la peine de venir à l'entraînement, tu verras pas grand-chose. Je te l'annonce de suite, comme ça. Prends ton week-end, voilà, c'est mieux. Ah oui, ça, faut pas avec le bras droit, là. Sans ces deux attaquants, donc c'est vrai que c'était compliqué. Mais non, c'est surtout le fait que si on était allé à Sochaux, tu risques de jouer dans un stade qui est archi-comble, donc ça va pousser l'équipe sochalienne. Il va y avoir un environnement qui va être contre nous, forcément, et donc. C'est jamais évident, quoi. Voilà. Il peut y avoir des mauvaises surprises. Voilà. Donc là,
Ça veut pas, on n'est pas plus favori pour autant, hein, parce que voilà, Sochaux, on a perdu 2-0 là-bas, on a gagné 3-1 ici. Bon, c'est kiff-kiff, on est très très proche. La preuve, c'est qu'avant ce match, on était à égalité. Il y avait juste, sur une saison, 4 buts d'écart, c'est pas la mer à boire non plus, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui font que ce sera un match très serré, quoi. Voilà, c'est du 50-50. Avec un petit avantage, parce que voilà, enfin, on n'a pas le désavantage de se déplacer. Voilà. Je ne sais pas si c'est un avantage pour nous, mais c'est surtout qu'on n'a pas le désavantage de se déplacer. Non, d'une manière générale, on a toujours été solide, mais là, ce sera des matchs beaucoup plus compliqués. Voilà, faut le savoir. Alors moi, c'est la première fois que je participe au barrage, donc je ne sais pas, on va voir ce que ça donne, mais c'est des matchs un peu différents quand même. Tu as tout le monde ta carrière, un peu tout, voilà, c'est pour ça que j'ai bien fait de venir ici. Toi. Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas connu, toi. Tu te rends compte? Oui, oui, donc Thierry Loré va connaître les barrages. Et comme vous l'avez entendu dans cette interview, il préfère que ça se joue au Paris FC plutôt qu'au Stade Bonal, un stade forcément qu'il connaît très bien, Thierry Loré. J'aime bien ces analyses, les analyses de Thierry Loré après les matchs. On l'avait déjà reçu ici il y a quelques années quand il était en Ligue 2 avec Strasbourg. Mais là, je crois qu'on a un supporter en ligne. Bonsoir Bernard. Bonsoir Fred. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, ça va. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de cette rencontre au stade Bonal dans un stade plein? Un peu déçu, parce que en venant 2-0, on ne doit pas prendre deux buts comme ça, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne doit pas prendre des buts comme ça. Mais je pense que, comment? Je pense qu'ils ont été informés du résultat du Paris FC, et puis c'est pour ça qu'ils ont décidé peut-être un peu aller en deuxième mi-temps, quoi. Je ne sais pas, c'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. Oui, est-ce qu'ils étaient au courant de l'avancée justement du match du Paris FC? Peut-être. Oui, parce que Valentin Henry, en conférence d'après-match, il a dit que lui n'était pas au courant. Donc après, peut-être qu'ils n'étaient pas au courant, et puis cette équipe de Dijon a fait un bon match. Hein. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Hein. D'ailleurs, dès qu'on a marqué le premier but, après, on a quasiment plus joué. Hein. Oui, c'est ça. Puis c'est vrai que c'est une équipe qui... Première mi-temps. Après, c'est un peu décevant. C'est une équipe de Dijon qui jouait aussi l'esprit libéré. Oui. Ça change tout. Ils étaient maintenus, donc ils ont joué plus libéré. Et les deux qui marquent, ce sont deux joueurs qui ont évolué quand même en Ligue 1. Oui, souligner quand même les deux joueurs qui marquent. Oui, parce que je crois qu'il y a Mickaël Le Bihan et puis je ne sais plus lequel. Oui, Mickaël Le Bihan qui met un très beau but et puis Romain Philippotto également, deux joueurs qui ont connu la Ligue 1. C'est pas anodin non plus. Ce sont des joueurs qui ont des qualités. Romain Philippotto, il a joué à Auxerre aussi, il me semble. Exactement, oui, il a joué à Auxerre, aussi également en Ligue 1, donc c'est pas anodin. Bon, à demain. Ça y est, les choses sérieuses commencent là. Demain, c'est le Paris FC qui se profile. Demain, il faut y aller avec les crocs, quoi. Il faut tout donner. C'est ce qu'a dit Valentin Henry. Lui, il est sûr que Sochaux va passer. Ben, nous aussi, on l'espère. On l'espère. Oui, parce que j'écoutais Thierry Loré là, avant que oui. En ligne. Ben, il disait que c'est kiff-kiff, Sochaux est une belle équipe. Après, voilà, quoi. Oui, puis qu'il était bien content de jouer dans son stade plutôt qu'à Sochaux, hein. Oui, il y a domicile, c'est ça. Mais c'est ça. Après, je pense que Sochaux, ils vont regarder quelques vidéos sur comme ils jouent le Paris FC, et puis après, voilà, quoi. Après, oui, voilà, oui, quoi. Je pense que Mardaf a bien concocté tout ça, il connaît très bien le Paris FC, il connaît bien le Thierry Loré aussi, également. Je pense qu'il va préparer une... Et puis, il y a un absent du côté... Une belle équipe pour affronter le Paris FC. Quoi. Il y a aussi en défense, ils ont pas mal de blessés aussi, apparemment. Oui, hein. Et il y a un jeune de 17 ans qui devrait être aligné ou pas, mais du côté du Paris FC, ils ont beaucoup de blessés, notamment le dernier en date, c'est Ralid Boutaïb qui a eu une rupture des ligaments croisés face à Grenoble. Hein. C'est ça. Donc, forcément, c'est un joueur. Pour lui, mais il sera pas là-dedans. C'est ça, c'est bon, un joueur. Il y a encore Jocelyn Guidavogui. C'est ça, bon, c'est un joueur qui a souvent marqué contre Sochaux, mais bien sûr, on lui souhaite un très bon rétablissement. Ce sont toujours des graves blessures et on met du temps à s'en remettre. Et c'est vraiment un excellent joueur. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on voit comme résultat alors demain? Moi, je dirais, je vais donner un petit pronostic, je vais dire 1-2. Bon, le principal, c'est de passer. Voilà, c'est comment en coupe? Voilà.
Parce que bon, si on passe là, on joue au Seigneur à domicile ou à l'extérieur? Ah non, à l'extérieur encore. On joue chez le troisième. Pourquoi à l'extérieur? C'est souvent le classement en fait. C'est pour ça que ça aurait été mieux de finir quatrième, quoi, de gagner à Valenciennes puis de gagner contre Dijon, quoi. Bah c'est oui, il aurait fallu gagner contre Valenciennes, c'est sûr. C'est là qu'on voit les matchs. Mais je pense que la quatrième place, elle se joue pas forcément contre Valenciennes. Non, on a perdu des points en route. Voilà. Mais peut-être parce que simplement... Contre Ajaccio à domicile, si on a gagné, non, si on a gagné, ouais, c'est vrai qu'on a perdu pas. Oui, peut-être que l'équipe n'est pas encore... il faut encore qu'elle passe un cran, hein, peut-être un cran supérieur. Oui. Première mi-temps, premier but, c'est Gaëtan Wesbeck qui marque ou Kaloulou? C'est Gaëtan Wesbeck. C'est Wesbeck, je crois que c'est Kaloulou. Ouais. Ah non, c'est sur une passe de Tony Mauricio, superbe passe. Ah oui, superbe passe de Tony Mauricio. Et Kaloulou, il n'est pas dans le coup, non? Ah non, pas sur le premier but. Ou alors peut-être juste... Pourtant, il était au stade, justement, moi, je crois qu'il était persuadé. Ou alors peut-être juste avant, mais c'est pas lui qui marque, non? C'est un doublé de Gaëtan. Oui, après, peu importe qui marque, le principal, c'est que ça finisse au fond. C'est bien ça, le plus important. C'est vrai qu'il met... le premier but est bon, mais le deuxième aussi. Hein. Ouais, magnifique le deuxième. Il met une belle frappe. Superbe, il faut la poire. Ça tape le montant, après ça revient sur lui, il la prend comme elle vient. C'est ça. Il y a une tête, après ça tape le montant, puis il la prend comme elle revient, extérieur du pied. Boum. Ah oui, c'est bien. Pleine lucarne. J'espère qu'ils vont faire un gros match demain. C'est transmis sur BeIN, non? Oui, bien sûr, oui, ça sera chez nos confrères de BeIN Sport. Si je me trompe pas, Mais ils peuvent pas le mettre sur Amazon Prime? Ah bah ça, après, c'est pas nous qui faisons les programmations TV. Mais moi j'ai Amazon Prime, j'ai pas BeIN, après voilà quoi. Après, on trouve toujours à le regarder. Rémi Blanchard à la radio. Tu iras le regarder chez un voisin. Non, t'as pas de voisin. J'en ai pas trop. Il n'y a pas de voisin qu'on BeIN Sport. Bah alors. Ouais, mais j'ai bien mon beau-frère, mais il est fou. C'est des matchs à suivre à la télévision, ça, à regarder en direct. Trop important. Oui, on verra bien. À regarder à plusieurs, il n'y a pas un bar ou quelque chose comme ça où il y a plusieurs socialiens qui vont se. Regardez ensemble, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Je sais pas, on verra. Merci beaucoup Bernard d'avoir appelé ce soir. Oui, puisque à la soirée, mais peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Oui, on en fait encore une la semaine prochaine. Allez. Voilà. Parce qu'on est sûr que si on passe demain, on joue entre les Auxerre, c'est ça? C'est ça, donc c'est pour ça, parce qu'on est sûr que les socialiens vont aller au bout. Donc on continue. Tant qu'ils n'arrêtent pas, on continue. Je le souhaite, parce que vraiment, ils ont fait une bonne entente de match, quoi. Oh, puis quelle ambiance au Stade Bonal. Ils ont fait une bonne entente de match. Quelle ambiance au Stade Bonal ce samedi. J'étais en populaire sud. En fait, j'ai fait les deux. Et de tribune, j'étais en sud en première et puis en or en deuxième. Ah, c'était magnifique, voir tous ces gamins courir sur la pelouse. Ambiance. Même si c'est vrai que c'est pas... On n'a pas le droit. Mais c'est quand même dommage, j'aurais quand même bien aimé qu'on prenne 3 points quand même, qu'on prenne 2 points de plus. Après, ça n'aurait rien changé. Comme il a dit Omar Nafa, conférence d'après match, il a dit... il faut féliciter les joueurs et surtout remercier le public. Oui, mais il a raison. Je pense que moi, je suis en raccord avec lui. Non, c'est sûr. Je pense qu'il a raison parce que voir tous ces gamins communier avec la tribune Nord, parce que bon, c'est vrai que les joueurs auraient peut-être aimé bien communier aussi également avec la tribune Nord. Mais après, ils ont été mélangés dans la foule. Mais il y a cet enthousiasme, cet engouement que je n'ai pas vu depuis un petit moment quand même du côté de Sochaux. C'était incroyable de voir tous ces gamins affluer. Bon, après, les stadiers couraient après tous les gosses, à la fin du match, les gamins qui couraient près des joueurs. Oui, c'était sympa. Après, bon, je ne sais pas comment l'ont pris les joueurs. J'espère qu'ils l'ont bien pris. Mais c'est vraiment des moments sympas pour tous les gamins. Moi, j'ai failli faire une photo avec Christophe Dédiou parce que
Je suis descendu sur la pelouse après aussi. Hein. Oui, bah, je crois qu'on est tous descendus un petit peu. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette pelouse. Oh là là. Ah, mais c'est un Dior. Oh hein. Là là, mon Dieu, quelle est belle. C'est vraiment un Dior. Oh. Quoi. C'est vraiment ça, un Dior. Ah, ça donne envie de prendre un ballon puis d'aller jouer, hein, franchement. Ah oui, bah, oui, d'aller jouer, c'est vrai. C'est vrai. C'est un truc de fou. Hein. Bravo aux jardiniers parce que franchement, elle est magnifique. Ah, magnifique. Oui, non, mais c'est vraiment une belle pelouse. Quoi. Donc, c'est vrai que c'était un super moment. Donc ça prouve qu'il y a un. Je crois que c'est la deuxième de France, il me semble. Hein. Oui, c'est même la première, je crois, si je ne me trompe pas. Hein. Si je me trompe tout pas. Bien, bien. Frédéric Fitch me contredira peut-être, mais bon, c'était la première dans le temps, mais je crois que c'est la première maintenant. En tous les cas, elle est dans les, si je ne me trompe pas, elle est dans les deux premiers. Et puis quel engouement, ouais, non, c'est pas possible. Ce club doit retrouver la belle, Ligue 1. C'est une belle pelouse. Ce qui est un peu dommage, c'est que les joueurs ne sont pas venus en populaire nord. Quoi. Oui, mais parce que. Mais je pense que s'ils ont vu que la foule a descendu, ils ont vu qu'en. Je pense qu'ils ont dû rentrer au vestiaire pour à cause de la société. Oui, mais il y en a qui sont restés. Hein. Moi, je vois justement Aneba, il est resté un bon moment. Moi, j'étais encore sur la pelouse, il était là à faire des selfies avec les gamins. Ah, tout. Mais j'ai pas vu Ismaël Aneba. Ismaël, il est resté à un moment. Après, j'ai aperçu Christophe Dieu, oui, j'ai voulu faire une photo avec, mais mon portable a marché. Après, certains, ouais, certains joueurs ont dû rentrer également. Bon, c'était bon, j'espère que ça n'a pas gâché un peu la fête pour eux, mais. Mais je trouve que c'était un super moment. C'est vrai qu'on a communié tout ça ensemble. Mais voilà. Valentin Henry était quand même déçu du résultat quand même. Il a dit, j'aurais préféré qu'on ait une fois la victoire à notre public, il a dit. Bah forcément, quand on est compétiteur, on n'aime pas perdre. On n'aime pas. Match nul, c'est comme si un petit peu on perdait. Mais, quoi. Mais comme on disait au début, là, Dijon a très bien joué. Ils ont vraiment joué à fond. Oui, oui, ils ont joué. Dès le début du match, on a senti qu'ils ne venaient pas là en touriste et puis qu'ils n'allaient pas prendre une valise. Tout à fait. Donc, après, en tout cas, à souligner le gros match aussi de Valentin Henry. Oui, j'arrive. Parce que moi, ce joueur me plaît vraiment de plus en plus. Il a été encore énorme ce soir. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un joueur qui lâche rien. Il faudra que toute l'équipe ne lâche rien demain. Et puis ça, on peut leur faire confiance. Oui, c'est sûr. Mais je pense que demain, il faut que. Comment ? Vu que je pense que demain, il faut mettre 5 défenseurs. Moi, je ferai un 5-3-2 demain. Je sais pas. En tout cas, il faut mettre un but de plus que l'adversaire. Oui, voilà. Qu'on finisse à 11 devant le but ou il faut mettre un but de plus. Voilà, le calcul, il est simple. Voilà. Un but de plus, on passe. On aurait pu gagner aussi parce qu'en deuxième mi-temps, on a des occasions. Hein. Oui, on aurait pu gagner, oui. Après, bon, c'est comme ça, c'est l'histoire d'un match. Après, le gardien de Dijon, ils vont chercher deux belles quand même. Ah, hein. Il est très bon, Baptiste René, qu'on avait déjà eu aussi ici dans cette émission. D'ailleurs, on le salue parce qu'on avait passé un super moment. C'est un super gardien, c'est surtout une personne très sympa. C'est bien. Eh bien, merci beaucoup, Bernard. Mais il n'y a pas que ceci, et puis la semaine prochaine, puis à la prochaine. Bah oui, ça voudra dire qu'on joue le 18e de Ligue 1, si on, voilà. Ah, si on bien, en reparle lundi prochain. On croise les doigts, on croise tout. Voilà, on va faire même une petite prière ce soir avant que tu t'endormes. Après que le meilleur gagne. Mais bon. Que le meilleur gagne. Si ça peut être Sochaux, ça serait mieux. Merci beaucoup, Bernard. Bonne soirée, Bernard. Allez, Sochaux. C'était Bernard. Faites comme Bernard. Prenez vos combinés et puis appelez-nous. Et on va continuer justement à regarder ce qui s'est passé dans cette Ligue 1. On va regarder ce qu'a fait le troisième, justement, Auxerre, qui recevait Amiens. Et victoire pour les Auxerrois face à Amiens. Mais on verra que cette victoire ne servira pas à grand-chose car Auxerre restera troisième de cette Ligue 2. Et on écoute justement Jean-Marc Furlan qui, lui, il est déjà projeté. Ça y est, le match est terminé du côté d'Auxerre-Amiens. Et bien, lui, il se projette déjà du côté... des barrages, vous allez l'écouter. Ce que j'avais préparé, c'est une victoire ce soir et puis faire les barrages. Donc on a déjà l'esprit, au moment où vous me parlez là, moi j'ai déjà l'esprit au match de vendredi et puis au barrage. Quoi, voilà. Moi je suis très satisfait de la soirée que les joueurs nous ont offert et que les supporters nous ont offert et ce qu'on a pu. Je suis très très satisfait de ça, de ce qu'on a pu créer en l'espace de 3 ans. Arriver à une telle conclusion, c'est à la fois très très satisfaisant de voir l'engouement des gens et leur joie. Ça, c'est très satisfaisant. Mais quand tu parles à un manager maintenant, qui suis responsable de peut-être un match, voire 3 matchs, eh bien moi, quelque part, j'ai la tête dans le cul. Hein. Je suis, euh,
Je suis dans les derniers trois. Au moment où tu me parles, je suis dans les trois matchs là maintenant, dès l'instant où ça a basculé. Et comment effectivement mon équipe va être efficace et très performante pour les trois matchs qui vont venir. C'est ce qui m'obsède dès que l'arbitre a sifflé la fin du match. Pour le play-off, vous avez une préférence entre Sochaux et PSG? J'ai une préférence pour ceux qui vont nous laisser gagner. ce qui va être le plus difficile quand même, parce que c'est deux équipes antinomiques, complètement différentes, mais deux équipes de très très bon niveau, hein, c'est vrai, et qui sont difficiles à manœuvrer, très difficiles à manœuvrer, c'est vrai. Et oui, ce sera, voilà, il parlait également de Paris FC ou de Sochaux. On va se projeter maintenant sur la rencontre entre Ajaccio et Toulouse. On écoute tout de suite la réaction de Olivier Pantaloni après cette victoire d'Ajaccio face à Toulouse 1-0. Donc en fait, vous avez vu que les positions n'ont pas changé en Ligue 2. Donc Ajaccio sera en Ligue 1 à la saison prochaine. Et forcément, c'est beaucoup de joie pour Olivier Pantaloni car il parle d'Ajaccio comme un petit club. Ils n'ont pas de grosse structure, c'est vrai. Mais en tous les cas, ils ont réussi à monter. Donc bravo à eux. Ils ont fait une belle saison. Ils ont été très costauds. C'est peut-être ce qu'il faudra pour Sochaux également, être très costaud. Ça commencera dès demain au Paris FC. Mais sur une saison complète, ils n'ont pas pris beaucoup de buts, cette équipe d'Ajaccio. Je crois qu'ils ont pris 19 buts. Ils n'en ont peut-être pas forcément marqué beaucoup, mais ça suffit. Ils ont justement remporté ce match face à Toulouse et puis ils seront donc en Ligue 1 la saison prochaine. On écoute tout de suite la réaction d'Olivier Pantaloni. Quand on est un petit club comme nous et qu'on débute une saison, on espère acquérir un maintien assez rapidement pour être tranquille, parce qu'on sait que sinon on risque de souffrir. Et puis petit à petit, on voit qu'en grappillant les points, on se situe dans une bonne partie de tableau. Et arrivé à la trêve, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à jouer. Donc on attend les quelques matchs qui viennent après la trêve. Quand on voit qu'on est collé avec les équipes de tête, on se dit qu'on peut aller au bout. Et ce qui était inimaginable, impensable en début de saison, se réalise de manière incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une juste récompense par rapport aux efforts qu'ont accomplis les joueurs tout au long de la saison. C'est formidable d'arriver à monter directement en Ligue 1. Je sais que... On est un petit club, on travaille dans les bureaux, au plus on est 8 ou 10 tous les jours. Et c'est quasiment une petite famille. On travaille au quotidien, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes dans des conditions qui ne sont pas forcément et loin d'être les meilleures des clubs de professionnels. Mais il y a quelque chose qui nous lie et c'est vrai que penser que ça suffit à accéder en Ligue 1, c'est comme je vous l'ai dit, c'était pas pensable en début de saison. Et malgré tout, avec ces petits moyens, on a réussi à le faire. Et oui, avec des petits moyens, ils ont réussi à le faire, les Corses, à monter en Ligue 1 la saison prochaine. Donc bravo à eux, on ne peut que les féliciter. Et puis avec justement cette montée, on écoute un petit peu ce qui s'est passé du côté du stade François Coty. Dans un stade François Coty bondé, une ambiance bouillante, Ajaccio 2e avait les cartes en main pour accompagner son adversaire du soir, Toulouse, en Ligue 1 Uber Eats la saison prochaine. Pour ce faire, il fallait une victoire aux Corses pour ne pas être rejoint par Auxerre, un point derrière. Dominateur, les hommes d'Olivier Pantaloni se créent de nombreuses occasions et finissent par ouvrir le score sur pénalty à la 27e minute. Riyad Nouri le transforme pour son 9e but de la saison. Le 83e en Ligue 2 BKT pour le meilleur réalisateur en activité dans cette division. Toulouse, meilleure attaque du championnat, restera muet face à la meilleure défense qui boucle ici un 23e clean sheet. 19 buts encaissés seulement en 38 journées pour l'ACA. Ce succès 1-0 envoie les Corses en Ligue 1 Uber Eats et ses supporters aux anges. 8 ans après, Ajaccio retrouve l'élite. Les scènes de joie et de liesse après la rencontre sont assez éloquentes pour traduire l'ambiance de cette inoubliable soirée à François Coty. Et oui, 8 ans après, eh bien, ils sont descendus la même année que le FC Sochaux-Montbéliard. Bon, ça sera peut-être un bon présage pour cette année. Qui sait ?
Eh bien, justement, on va écouter ce qui s'est passé entre Sochaux et Dijon. Je vous le rappelle, 2 buts partout. On écoute tout de suite le résumé. Mais surtout, vous pouvez nous appeler 03 81 50 67 51. Venez nous dire. Peut-être que vous allez en déplacement du côté du Paris FC. Bon, nous, on aurait bien aimé, mais voilà, le travail fait que voilà, c'est impossible pour nous. On ronge un peu notre frein, hein, parce qu'on serait bien monté du côté de la capitale. En tous les cas, le club sera bien représenté avec 3, 4 bus, 5 bus, je crois, il me semble, qui vont monter justement du côté du Paris FC. Donc, les Sochaliens vont donner de la voix. Et on écoute tout de suite le résumé entre Sochaux et Dijon. Sochaux 5e reçoit Dijon 11e. Les Lyonceaux vont tenter de grappiller une place au classement, ce qui leur permettrait d'évoluer à domicile pour le premier match des playoffs face au Paris FC. Après une belle série de 8 matchs sans défaite, les joueurs d'Omar Daff se sont inclinés à Valenciennes lors de la dernière journée. Ils vont vouloir performer devant leur public face à des Bourguignons pour qui la première moitié de tableau restera le seul objectif de fin de saison. L'ouverture du score, elle est précoce. Elle est pour Sochaux. 2 minutes de jeu grâce à Gaëtan Vesbeck. Le FC Sochaux-Montbéliard vire en tête grâce à la 5e réalisation du capitaine Gaëtan Vesbeck. Petit ballon piqué devant Baptiste René après avoir été lancé par Tony Mauricio. Sochaux avance cette rencontre, compte 67 points, soit son deuxième meilleur total en Ligue 2 BKT derrière les 75 unités de 2000-2001 lorsque les Sochaliens avaient terminé champion. 1-0 à la mi-temps pour Sochaux, et avec ce résultat, les joueurs de Mardaf sont virtuellement quatrième puisque le Paris FC est tenu en échec à Charletti face à Grenoble au même moment. Début de deuxième période, 6 minutes de jeu depuis le retour des vestiaires. Le doublé pour Gaëtan Vesbeck. La tête d'Endour trouve le poteau de Baptiste René. Et ensuite la demi-volée prise idéalement de l'extérieur de Gaëtan Vesbeck pour le doublé, son 6e but de la saison. Lui qui n'avait plus marqué de doublé depuis novembre 2020. Sochaux est bien parti pour s'imposer. Mais voilà, arrive la réaction du DFCO avec ce très joli but signé Mickaël Lebihan à la 58e. 2-1, 7e réalisation pour Mickaël Lebihan. Les Dijonais n'ont connu qu'une seule victoire sur les 6 derniers matchs. Se sont inclinés lors de la dernière rencontre à domicile face à Nancy, 3-2, la SNL qui sera reléguée au terme de cette saison. Et c'est en cela où les joueurs de Patrice Garande veulent finir sur une bonne note et vont égaliser à la 78e grâce à Romain Philippoteau. 4e but pour Romain Philippoteau. Elle est interdite dans sa zone technique, Omar Daff. Comment ces joueurs qui menaient 2-0 se font rejoindre? Beaucoup d'apathie dans la défense doubiste. Ça fait 2 buts partout. Hésitation de Maxence Prévost et derrière tout le monde se jette sans parvenir à enlever ce ballon. 2 partout, ce sera le score final après le coup de sifflet de monsieur Schneider et une image sympathique. Sochaux qui menait 2-0 ne s'impose pas mais ne nourrira pas de regrets puisque la victoire ne lui aurait pas permis de quitter la 5e place pour la 4e, occupée donc par le Paris FC, son prochain adversaire dans quelques jours en play-off. Et oui, dans quelques jours, c'est-à-dire demain, l'adversaire du FC Sochaux Montbéliard. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler un petit peu de Sochaux ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je reconnais la voix du sudiste. Ouais, c'est moi le sudiste, comment tu vas mon petit franc-comtois? Bah écoute, ça ira encore mieux demain soir. Exactement. Et ça ira encore mieux vendredi soir et ça ira encore mieux le 26 mai. Oh mais ça, moi j'aime des paroles comme ça, au moins t'es objectif, oh bah. T'as de l'ambition, c'est bien. Objectif, je sais pas, motivé, oui, forcément. C'est bien, c'est bien. Bah, il faut. Ah, c'est comme sûr. Ça dans le sport. Si t'es pas motivé, c'est pas la peine. Exactement. Après, l'essentiel, c'est que nos joueurs et puis le staff y croient, hein, qu'ils fassent tout. Et puis, de toute façon, maintenant, les matchs qui arrivent, quoi, le match qui arrive surtout demain, c'est du bonus. Oui, et puis quand t'es joueur, voilà, c'est des super matchs à jouer.
quand voilà, t'es joueur. Bien sûr, non, mais je veux dire, c'est du bonus parce qu'il y a une super saison. Bien sûr. Voilà, la saison est belle, donc ce que je veux dire par là, c'est que demain, c'est du bonus, voilà, que ça passe ou que ça passe pas, bien sûr, on préférait tout ce que ça passe, ça c'est clair, bien sûr. Mais si ça passe pas, on peut pas leur en vouloir, non. Parce qu'ils ont tout donné cette année, que ce soit les joueurs et le staff, Omar ainsi que son staff, ils ont fait avec les moyens du bord, ils ont fait du très très bon travail, et les joueurs, c'est également, c'est pareil, ils ont fait du très très bon boulot, vu... Quoi qu'il arrive, demain, on ne peut pas leur en vouloir. Et voilà. Puis on peut, et à partir de demain, c'est que du bonus. On peut féliciter aussi voilà, les préparateurs physiques, parce que franchement, l'équipe, elle est au complet. Il n'y a pas de blessure. Elle est bien préparée. On voit encore contre Dijon, les joueurs sont affûtés. Donc, il y a ça aussi. C'est important aussi, toute cette préparation physique pour être au top niveau, parce qu'on sait que la Ligue 2, elle est quand même assez exigeante. Être au top niveau, justement, pour... Oui, pour ces derniers matchs aussi, parce qu'on voit que du côté du Paris FC, il y a beaucoup de blessés, il y a des graves blessures aussi également, à la dernière en date avec Khalid Boutaïb, comme on disait tout à l'heure, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement, mais c'est important aussi une préparation physique. Ah ben bien sûr, quand on dit le staff, c'est vrai qu'on pense à Omar, on pense entraîneur adjoint, etc., mais bien sûr, préparateur physique, les kinés, les analyses vidéo, tout, on peut dire merci à tout le monde cette année, parce que franchement, on fait une belle saison, et comme je dis, à partir de demain, on a le bonus qui arrive. Voilà. C'est ça. Maintenant, en espérant qu'à la fin, on ait un gros bonus, la montée, mais même si on n'a pas la montée, même si... Par malheur de mon père, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'on fait une très bonne saison. Donc, merci au staff d'Omar Daf, donc les kinés et les préparateurs physiques, etc. Et merci aux joueurs qui ne lâchent rien du tout. Et puis voilà. Donc, demain, messieurs, vous allez faire le bonus. Donc, maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire. Si on le fait, demain, ça passe, c'est bien. Si on ne le fait pas, vous inquiétez pas, on ne peut pas vous en vouloir parce que vous avez fait une très, très bonne saison. Et... avec le moyen qu'on sait qu'on a eu, ils ont fait du très très bon boulot, Omar et son staff. Et ça, c'est le plus important. Parce qu'il y a quelques années en arrière, on sait d'où on vient. Hein, on a frôlé la nationale il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a trois ans. On est barragiste, on est cinquième de Ligue 2. Donc, c'est très bien. Merci Omar, merci à vous tous. Et puis, ma foi, ben, en espérant bien sûr que demain, ça passe. Hein. Oui, et puis qu'on aille vendredi à... Après, le seul petit regret allez, qu'on pourrait avoir, c'est que ça ne se joue pas du côté du Stade Bonal avec l'engouement qu'il y a eu samedi. C'est vrai que c'est juste le petit regret, on va dire, entre guillemets, voilà, de ne pas avoir terminé quatrième, si on veut être un petit peu négatif. C'est juste ça, parce que c'est vrai qu'on a vécu samedi une ambiance digne d'une montée. Hein. C'est vrai, à la fin du match, c'était quand même incroyable. Moi, j'ai même cru qu'on était monté en Ligue 1. À un moment donné, je dis, mais on est monté en Ligue 1, ça y est, c'est fait. Non, c'était pas fait, mais quelle ambiance. Ça fait longtemps que je n'ai pas connu ça du côté de Sochaux avec tous ces gamins. Bon, c'est vrai, on n'avait pas le droit d'aller sur la pelouse, c'est vrai. Bon, c'est toujours comme ça. Mais qu'est-ce que ça a fait du bien de voir tous ces gamins voilà, courir vers les joueurs. Bon, je ne sais pas si les joueurs... On apprécie aussi pas pouvoir communier avec la tribune Nord, mais je veux dire, qu'est-ce que c'était sympa comme image de voir tous ces gamins courir vers les joueurs. Voilà, bon, avec les stadiers qui ont couru derrière, bon, ils ont fait leur travail, hein, bien évidemment. On n'a pas le droit d'aller sur la pelouse, mais c'était tellement... il y avait un moment de communion comme je n'ai pas vu depuis très longtemps du côté... Bon, il y a déjà eu toute la journée hein, avec le superbe cortège aussi... du mouvement ultra socialien dans la journée qui a été très bien organisé, il faut le souligner aussi, hein, parce que souvent, on est souvent critique, on critique un peu les ultras, mais là, je dois dire que voilà, c'était superbement organisé, ça s'est passé... sans débordement, dans une ambiance de folie, franchement, c'était génial. C'était une super journée, et bon, il n'y a pas la montée au bout, mais c'était comme si on était monté, donc je pense que l'engouement, il est là. Donc maintenant, ça va être aux dirigeants de construire. Bon, on verra ce qui va se passer en barrage, mais si on fait rien en barrage, je veux dire de construire une équipe pour la saison prochaine, parce que l'engouement, il est réel, il est là, il est là. On l'a encore vu, un stade plein, plus de 19 000. Ouais, c'était simplement magnifique, quoi. Franchement, magnifique. C'était une belle soirée. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, beaucoup de plaisir. C'est bien parce que c'est un cadeau aussi pour les joueurs et puis pour le staff. Oui, pour tout le monde, c'est vrai. C'est pour récompenser de la saison qu'ils ont fait. De les remercier. Et puis, enfin, oui, comme tu dis, moi aussi, le regret que j'ai, c'est que malheureusement, le public de Bonal
vous n'allez pas assister, ma foi, au play-off. Il y en a qu'un qui est content, c'est Thierry Loret, hein, parce qu'il n'avait pas envie de venir jouer du côté du stade Auguste Bonnaz, ce qu'il disait tout à l'heure. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui, bah après, c'est... Hein, il connaît Sochaux. Hein. Il connaît. Après beaucoup de supporters iront à Paris. Bien sûr. Iront mettre de l'ambiance. C'est vrai. Vont transcender notre équipe. Et puis pour que notre équipe, eh ben, pas de Paris, le Paris FC de Thierry Loret. On n'entendra que d'ailleurs. Un petit défi, la GIA à Auxerre. On n'entendra que d'ailleurs demain soir. Ben ouais, puis c'est vrai qu'on espère tous, on croise les doigts. Mais bon, personnellement, moi je peux pas en vouloir si demain. Non, pas, bien sûr. Si, voilà. Ah ben bien parce sûr. Qu'on fait une super saison. Bien sûr. Il faut, ok, il faut peut-être arrêter de penser au passé, mais il faut savoir d'où on vient. Et puis, c'est très important. Et on sait qu'on a frôlé le national. Malheureusement, une équipe comme Nancy, ils y vont, c'est pas marrant. Nous, on a failli y aller aussi. Donc là, on est cinquième, on joue les barrages. Malheureusement, Fred, c'est pas bonal, mais ça fait rien. Oui, on est quand même bien sûr. Barrage. Bah oui, voilà, c'est toujours mieux. C'est toujours on mieux. Fait une très bonne saison. Et messieurs les joueurs, messieurs le staff, merci beaucoup. Et bien sûr, j'espère que vous allez quand même emmener le club en Ligue 1. Mais merci pour cette saison. D'ailleurs, quoi tiens, qu'il arrive, on ne peut pas vous en vouloir. D'ailleurs, monsieur Frédéric Fitch, il va peut-être nous donner le groupe socialien. Allez, vas-y, donne-nous un petit peu le groupe socialien qui va être aligné. Enfin, qui va être aligné. Le groupe, hein. Ça ne sera pas l'équipe qui sera alignée. Mais nous donner un petit peu le groupe et puis le groupe du Paris FC aussi en même temps. Allez, monsieur Fitch. Allez, monsieur. allez, on attend le groupe socialien. Allez, là, on se lance. Faut pas allez. Faire le timide. il est timide, là. Alors, il y aura Mehdi Janin, Maxence Prévost, Florentin Pogba, Ismaïla Aneba, Christophe Didiou, Marvin Senaya, Valentin Henry, Abdel Andour, Rasoul Ndiaye, Houssein Outioune, je ne sais pas si je prononce bien. Si, c'est ça, Houssein Outioune. Oui. Younes Kabouni, Joseph Lopi, Gaëtan Wesbeck, Malcolm Viltar, ouais, Viltar, d'accord. Tony Mauricio, Sami Farage, Steve Ambry, Alan Virginius, Maxime Dokoto, Ado Kalulu et Yann Kitala. Ouais, il emmène du beau monde, là. C'est un bon groupe. Franchement, c'est un bon groupe. C'est le groupe classique, on va dire. Ouais, c'est ça, avec Viltard aussi également, qui est dans ce groupe, qui n'est pas tout le temps dans le groupe. Et du côté du Paris FC, alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu... quel est le groupe qu'a emmené justement Thierry Loret? On sait qu'il y a beaucoup de blessés du côté de Paris. Oui, il y a beaucoup d'absents, oui. Ouais. Allez, alors, ce qu'il a retenu Thierry Loret, alors dans les gardiens, il y a Filipovic, De Marconnet et Nkambadio. Oui, ça c'est le classique. Alors, en défense, Chergui, Bernauer, Adjam, Anin, Camara, Guéo et Bamba, pas Jonathan Le Lilo, hein, bien sûr, un autre Bamba. Et pas sûr. Roger Hanin non plus. Bon, allez, c'était la petite blague à deux balles. Et puis pas Cédric Camara aussi, si on veut faire ça. Hein. Oui, c'est ça. Il n'est pas là, Cédric Camara. Bon, de toute façon, il serait du côté de Sochaux, pas du côté de Paris. Ah, ben voilà, en plus. Allez, dis-nous la suite. En milieu, il y a Iglesias, c'est pas Rulio non plus. Oh là là, voilà, si on commence comme ça, là, on va pas finir. Là. Il y a Nam, Manduki et Sibi. Et en attaque, il y a Lopez, Guy Valogui. Oui. Alfarella, Kadi, Gori et Gay. Bon, on verra. En tout cas, c'est le groupe. Pas Ghana Gay, bien sûr. Hein, pas, ça va passer. On passe demain. Bah écoute, on te suit. On passe. Allez. On passe et puis on va défier la GIA au Auxerre. En espérant que les supporters pourront se déplacer. Bah ouais, c'est ça. Quoi. Oui, parce que oui, c'est ça. C'est pas gagné encore. Mais bon. C'est pas gagné. Après, quoi qu'il arrive, il faut retenir la saison. Hein, oui. Beaucoup de monde pensait pas, quand même, y compris moi, Fred, hein, moi j'avoue, hein, y compris moi, au début de saison, tu m'aurais dit on fait les barrages, j'aurais dit mais vous êtes fous quoi les gars. Non, et ben franchement ils nous ont étonnés, ils ont fait une super saison. Et messieurs, moi personnellement, comme beaucoup d'autres, hein, que je ne citerai pas parce que j'ai voilà, mais je sais, on peut pas vous en vouloir parce que vous faites une très très bonne saison. Et de voir, comme tu as dit, bon, j'étais pas bonal, hein, comme tu as dit samedi, de voir tous les enfants qui ont envahi la pelouse, eh ben, c'est pour remercier tous les joueurs et puis tout le staff de la saison que vous avez fait. Oui, parce que c'est l'équipe complète qui a emmené tout ça. Les gens, on ne les trompe pas comme ça. Si les gens suivent autant cette équipe de Sochaux, c'est qu'elle dégage des valeurs. Il y a quelque chose derrière. Hein. C'est que ces joueurs dégagent des valeurs où les gens se retrouvent. Parce que c'est comme en musique, quand un chanteur, ses concerts sont complets sans qu'il fasse de grosses publicités, eh ben, c'est qu'il dégage quelque chose. Il dégage une forme de respect, des valeurs. Non. Et puis les gens se reconnaissent là-dedans. Donc les gens se reconnaissent dans cette équipe. Et puis ils ont envie de la suivre. Donc c'est exactement. Tout simplement ça. Puis,
Et puis cette année, par rapport aux années précédentes, il y a un bon état d'esprit entre les joueurs. Il y a c'est des joueurs, ils se battent sur le terrain. Oui. Voilà, et c'est ça qui fait la différence. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait les différences, parce qu'on a beau avoir, les meilleurs joueurs, on va dire au monde machin, si ils se battent pas sur le terrain, l'équipe elle est bidon. Exactement, hein, c'est l'état d'esprit. Là. On n'a peut-être pas des joueurs extraordinaires, hein, des joueurs qui valent des millions et des millions, on sait très bien qu'on n'en aura pas, mais l'essentiel, c'est qu'ils se battent sur le terrain, qu'ils nous prouvent qu'ils ont un maillot sur eux et puis qu'ils sont fiers d'être, entre guillemets, sochaliens, hein, de jouer pour cette équipe-là, le club, et puis qu'ils nous montrent qu'ils ont sur le terrain, c'est des battants, et nous, c'est ça qu'on veut, esprit d'équipe, cette année irréprochable. Messieurs, c'est pour ça qu'on est cinquième de Ligue 2, c'est pour ça qu'on fait les barrages, parce que vous n'aurez pas eu un bon état d'esprit, et vous n'êtes pas des battants sur le terrain, alors d'aujourd'hui, on ne serait pas cinquième. Exactement. Voilà. Tout dit. Avant, dans les années précédentes, on n'a pas eu la niaque qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, on a bien vu où c'est qu'on en était. Voilà, c'est tout. Il faut savoir d'où on vient. Cette année, on est cinquième. C'est une récompense pour nos joueurs. Messieurs, battez-vous jusqu'à la fin. Donnez le maximum. Mais on ne peut pas vous en vouloir si, malheureusement, on ne montera pas en Ligue 1. Eh bien, merci beaucoup, Cédric. Merci pour ces belles paroles qui, j'espère, vont aller directement vers les Sochaliens et puis on les pousser demain au moment où il faudra mettre le petit plat du pied sécurité pour mettre la balle au fond. Exactement. Eh ben merci beaucoup, puis, Cédric. En espérant qu'on aille à Auxerre vendredi et puis voilà. Et puis plus si affinité, comme on dit. Comment ? Plus si affinité. Exactement, plus si affinité, puis surtout plus si affinité pour le public de Bonal. Exactement. Parce que ça serait bien quand même que. Ah là, ça serait monstrueux là. Ah là, ça serait. Je crois qu'il y aurait des gens qui vont monter sur le toit de Bonal là. Ah là, ça serait super, non, puis voilà, c'est vrai que, même moi j'ai regardé l'équipe, et c'est vrai qu'à un moment donné, ils se sont tués, et à un moment donné, c'est vrai qu'on a entendu, l'ambiance à Sochaux, c'est vrai, comme tu dis, ça faisait longtemps, moi j'ai des amis qui sont supporters, qui m'ont envoyé aussi dans les gradins, qui chantaient, tout ça, franchement, ça faisait plaisir. Puis après, carrément, il m'a envoyé des vidéos, il était sur la pouce, il me dit oui, franchement, comme tu dis Fred, c'est bien. C'est beau, c'est pour féliciter les joueurs et le staff de la saison qu'on fait. Exactement. Voilà. Et encore, je me répète, mais merci à vous, messieurs les joueurs. Merci au staff, Omar, au kiné, à Freddy Van de Kerkhove, Stéphane Mangione, à tout. Merci aussi à Libé Lugel, parce qu'il faut aussi lui dédier, ça à lui. Hein, que voilà, lui, il faisait partie du staff et il faisait du très très bon boulot. Et puis voilà, et puis messieurs, j'espère que la plupart des joueurs, j'espère que vous allez rester avec nous l'année prochaine. Ma foi, ceux qui partent, bonne carrière à vous. Continuez à être battants sur le terrain. Et puis voilà, soyez ambitieux. Mais j'espère qu'on gardera au moins un bon noyau, mais si on peut garder tout le monde, plus mettre 2-3 joueurs d'expérience, etc., qui seront les bienvenus. Voilà. Sinon, vous avez fait une belle saison. Merci pour ce que vous avez fait à Sochaux. Et puis, on croise les doigts tout. Et moi, je dirais que deux mots, c'est allez Sochaux et la Ligue 1, elle est pour nous, j'espère, dès cette année. Même si ce n'est pas cette année, elle le sera un jour, c'est obligé. Bien sûr qu'elle le sera un jour, Fred. Il n'y a pas de raison. Bien sûr qu'elle le sera un jour. Eh ben, merci même beaucoup, si, Cédric, même d'avoir si on n'a pas trop les moyens, comme il y en a qui disent, ce n'est pas grave, on aura des bons joueurs. La preuve, ce n'est pas... Qui se battent sur le terrain. C'est pas qu'une question de moyens, tu vois, Ajaccio. Non, bien sûr que non. Ajaccio, tu prends Clermont dans les années, pourquoi ils sont montés, parce qu'ils ont un état d'esprit. Exactement. Parce qu'ils se battent sur le terrain. C'est ça. Voilà, donc comme quoi, c'est bien beau d'avoir de l'argent. Mais si, admettons, on achète des joueurs à 5 millions d'euros, puis que les joueurs qui jouent, ils ne se battent pas sur le terrain. Exactement. D'abord avoir des joueurs à 5 millions d'euros. Bref, tu prends Toulouse. Toulouse, ils ont dépensé combien? Ils ont pas beaucoup dépensé. Non. Puis tu as vu à l'heure d'aujourd'hui, les joueurs, personne ne les connaissait. Il y en a qui viennent de D3 en Angleterre. Oui, c'est ça. Vu combien une bonne mentalité. Parce qu'ils ont un état d'esprit. Une bonne mentalité. Voilà. Puis ça fait la différence. C'est l'argent. Il contribue, c'est comme dans la vie. Oui, bien sûr. Mais comme on dit, ne fais pas le bonheur. Après, c'est sur le terrain qu'on voit les joueurs. Exactement. Voilà. Moi, messieurs, je suis désolé de vous dire ça. Regardez, vous regardez championnat d'Europe, d'accord. Les Français, avant de jouer, ils avaient la meilleure équipe sur le papier. C'est vrai, sur le papier, c'est la meilleure équipe. Mais sur le terrain, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que ce sont dit, on s'appelle un tel, on va gagner. Non,
messieurs, c'est sur le terrain qu'on joue. J'ai toujours à l'image, parce que des fois, je le vois à l'équipe 21, puis je rigole, c'est Djibril Cissé. Quand il venait contre nous en finale, hein, au Stade de France, contre Marseille-Sochaux, il est venu avec le Walkman en disant, on va gagner, parce qu'on est meilleur que vous sur le papier. Qui c'est qui a gagné après? C'est nous, pourquoi? Parce qu'on a montré sur le terrain, on en voulait plus. On y a donc cru. C'est ça qu'on leur demande. Oui, bien sûr. C'est bien montrer, sûr. Les gars, que vous avez, excusez-moi du terme, des coronets, et puis que même si vous n'êtes pas, même si vous n'êtes pas des, même si vous n'allez pas 5 millions d'euros, que vous n'avez pas acheté 5 millions d'euros, montrez que vous avez des coronets sur le terrain, et puis en se battant, on y croit, et quand on y croit, quand t'es motivé, on peut renverser des montagnes. Exactement. Et demain, on va la renverser, la montagne. Bah, écoute, on l'espère. Demain, on va gagner à Paris FC. Eh ben, merci beaucoup, Cédric. Et puis, voilà. On va terminer sur ces belles paroles de victoire. Et puis, c'est tout un plaisir à toi, Fred. Eh ben, et puis, merci beaucoup. Ben, comme j'ai dit à ton collègue, hein, à Fred, hein, et ben, ma foi, j'espère que le Racing va monter aussi en N2. Ah, le Racing Besançon, ils sont bien partis là. Ça devrait le faire. Ben, écoute, encore ça une victoire, non? Bah, écoute, pour la région, c'est bien. Plus il y a de clubs à haut niveau, mieux c'est. Hein. Bien sûr. Ah, ben, bien sûr que c'est bien. Même si nous, par malheur, on reste en Ligue 2, on aura en Ligue 2, nous. En N2, on aura Besançon, voilà, en espérant que Belfort ne descende pas. Puis en N3, on aura l'autre Besançon, puis on aura la réserve du FC. C'est ça, plus il y a de clubs, comme je dis, plus il y a de clubs à haut niveau, mieux c'est pour la région. Bien sûr, exactement. Eh ben, merci beaucoup, Cédric. Exactement. Eh ben, écoute, c'est tout un honneur. Et puis, allez Sochaux. Puis donc, bonne semaine à tous, bonne semaine à toutes. Et puis, allez Sochaux, et demain, on va le faire, on va gagner à Paris. Ben, écoute, ça serait bien. Voilà. Merci beaucoup, bien Cédric. Sûr, on va le faire. Bonne soirée à toi, bonne semaine. Allez, et puis à bientôt. Bonne soirée à vous tous, bonne semaine et à bientôt. Ciao, ciao Fred. Ciao. C'était Cédric, fidèle supporter des Jaunes et Bleus, comme vous avez pu l'entendre. On va regarder un petit peu, allez, on va écouter la réaction du capitaine Gaëtan Westbeck. C'était sur le site www.fcsochaux.fr. Oh, magnifique de jouer avec un stade plein comme ça, c'est exceptionnel. Et ça donne envie de le vivre encore une fois. Peut-être encore sur cette fin de saison. On est forcément un peu déçu de ne pas l'avoir remporté pour cette dernière à domicile. Mais après, le plus important, c'est mardi. Il faut être prêt, bien se reposer pour être d'attaque mardi soir. C'est une petite déception quand même, parce que quand on voit le stade plein comme ça, on a envie de rejouer ici. Mais bon, peu importe comment et où, il faut gagner mardi. Ça fait du bien. Après, comme je le répète souvent, le plus important, c'est le collectif. Peu importe qui marque. Ce soir, c'est un sourire à moi, donc je suis très content. Mais encore une fois, je vais mon ballon de Tony sur le premier but et derrière sur le deuxième, là, il me revient bien, je finis comme il faut, donc forcément heureux, mais comme dit, le plus important c'est le collectif. Je pense que c'est une pression positive et comme tu as dit, on sait où on veut aller, il ne faut pas se mettre trop de pression non plus, ça reste un match de foot, c'est exceptionnel pouvoir jouer les playoffs, donc à nous de nous donner à fond et d'y croire jusqu'au bout, parce que voilà, le vestiaire reste très, très soudé, très mobilisé jusqu'au bout, donc on va vraiment y croire et on va tout faire pour l'emporter mardi. Et bien sûr qu'il faut toujours y croire, c'est ça la beauté du sport, c'est ne jamais rien lâcher, même quand on a l'impression, la sensation que c'est perdu, il faut jamais lâcher, il faut aller au bout, il faut tout donner et puis ne pas avoir de regrets à la fin. La réaction des entraîneurs avec Omar Daf du côté de Sochaux et puis également Patrice Garande du côté de Dijon qui ne sera plus l'entraîneur dijonnais la saison prochaine car il va quitter le club de la Côte d'Or. Beaucoup d'émotion de voir ce stade vibrer autant. Je pense que ça faisait très longtemps, on n'avait pas vu autant de fierté, autant d'engouement autour de ce club et de cette équipe. Donc il faut féliciter les joueurs aussi parce que je pense qu'ils ont ont fait ce qu'il fallait en donnant le maximum, en produisant du beau jeu. Donc je pense que ce soir, ils peuvent être fiers de ramener toute une région dans ce stade Bonal. On a pris énormément de plaisir et puis je félicite aussi les supporters. Pour l'ambiance qu'ils ont mis pendant 96 minutes. Je pense qu'il y avait un homme du match, aujourd'hui, on le dédierait à nos supporters. Frustrant parce que cette équipe de Dijon cadre deux frappes et réussit à revenir au score. Donc de ce côté-là, je suis déçu parce qu'on aurait aimé clôturer la 38e journée en offrant une victoire à nos supporters. Je pense qu'à 2-0, on pensait avoir fait le plus dur. Mais on savait que face à ce genre d'équipe, ils n'avaient rien à perdre, ils se sont livrés. Voilà, bravo à eux pour leur efficacité. Ils ont eu de l'efficacité, de la réussite. Mais nous, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien parce que c'est une saison complète. On a été réguliers de bout en bout.
Maintenant, ce que je retiens, c'est ça. C'est le fait d'avoir ramené autant de monde autour de cette équipe. Et ça, j'espère qu'on va... On va les garder. On va les garder parce que c'est des bons moments à vivre. Et j'espère qu'on va réussir à garder ce stade vivant de cette manière-là tout le temps. On a travaillé dur pour les rendre fiers. On a travaillé dur pour les ramener dans ce stade. Aujourd'hui, pour le coach que je suis très heureux de voir... les familles revenir dans ce stade, des gamins, des étoiles plein les yeux. Et ça, pour moi, c'est déjà une saison réussie. Mais avec plaisir, on va tout faire pour qu'ils reviennent dans 10 jours. Maintenant, voilà, on finit cinquième. Voilà, on va aller à Paris avec nos armes. Voilà, on va aller se battre pour continuer l'aventure, tout simplement. Bon, pour dire la vérité, on sortait d'une prestation catastrophique chez nous contre Nancy. Donc... voilà, j'avais présenté ce match-là. Bon, nous, on joue rien, mais on se devait d'abord de respecter la compétition et puis de jouer, de faire au moins un match par rapport à un match complet. Donc, on a tellement été en dessous sur ce match de Nancy que voilà, l'objectif de ce match, j'aurais même pas dit de gagner, c'est d'avoir l'attitude d'une équipe qui respecte tout le monde, l'adversaire, le public. Et donc voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à coacher ce match, à voir ce match, parce que je trouve qu'on a fait un bon match, même si on a encore eu des débuts de mi-temps un peu compliqués, mais je trouve que, je ne vais pas dire qu'on aurait pu même l'emporter, mais on s'est créé quand même beaucoup, beaucoup de situations. C'était donc l'entraîneur Omar Daf et puis justement Patrice Garande. Avec des résultats chez les jeunes du FCSM, avec, on en reparlera tout de suite avec Frédéric Fitch, en National 3, on va en parler. En U19, le Dijon FCO, justement, et le FCSM ont fait match nul de but partout, des buts de Sanchez et de Delphis. L'AS Nancy-Lorraine a battu le FCSM 2-0 en U17, et puis en U15, le FCSM s'est imposé devant le FC Monceau. Un but d'Anas Bouchoya. Et puis c'est tout, en tout cas, ce qui concerne justement l'équipe des jeunes du FCSM. Mais justement, monsieur Frédéric Fitch va nous en dire un petit peu plus. Mais juste avant, je voudrais qu'on regarde un petit mot du national quand même, parce qu'avec Laval qui va retrouver donc les Tangos la saison prochaine, la Ligue 2, et puis également le FC Annecy qui sera donc 30 ans après, qui justement arrive en Ligue 2, oui. Fred. Le premier Cup Sauveur depuis Evian en Ligue 2. Et oui, c'est ça. Et puis le FC Villefranche, lui, jouera à les barrages, car il a terminé troisième avec 65 points, juste un petit point devant. Enfin, ça se joue à un point. Hein. FC Villefranche, troisième, 65 points. Annecy, deuxième, 66 points. Et puis premier, Laval avec 67 points. Allez, on écoute un peu cette ferveur du côté du FC Annecy lors de la montée. C'est des moments de liesse, c'est des moments où il faut prendre du plaisir avec le public qui a été là tout au long de la saison. Allez, il faut les laisser pénétrer sur la pelouse. Ce n'est pas un envahissement de terrain, c'est une liesse. C'est la récompense d'une saison bien accomplie. Il faut maintenant communier, faire plaisir à ce public qui a toujours été là dans les moments difficiles comme dans les bons moments, et celui-là s'en est un. Et là, on souhaite bonne chance à Jean Dumas qui fait partie de la foule, qui va essayer d'avoir des réactions. Mais là, ça va être très très compliqué. On va surtout profiter de ces belles images de Zizek, Nicolas, Philippe, parce que ce n'est pas tous les jours. Annecy donc, de retour en deuxième division. Il l'attendait depuis tant d'années, ses supporters. On l'a dit, presque 14 000 ce soir, un engouement exceptionnel. C'était moitié mois il y a 15 jours lors du dernier match à domicile. 7000 et quelques, et là, presque 15 000, incroyable. Et pour fêter ça comme il se doit jusqu'au bout. Ouais, c'est magnifique.
c'est pour ces moments-là qu'on vient au stade. C'est pour supporter son équipe. Et quand son équipe a réussi, il faut lui rendre hommage, il faut la récompenser, il faut aller la soutenir, il faut aller faire la fête. Et oui, c'était chez nos confrères de Canal+, forcément, qui diffusent le national à la Nationale 1. Forcément, c'est magnifique, une montée. C'est beaucoup d'engouement pour un club, pour toute une région, et c'est très important. D'ailleurs, monsieur Frédéric Fitch, il va nous parler justement peut-être d'une possible montée, peut-être dès ce samedi ou peut-être après, pour justement le Racing Besançon qui vise la place en Nationale 2, Je peux vérifier un truc pour la Nationale 1. Comment ça, t'as le droit de vérifier ? Qu'est-ce que tu veux vérifier ? C'est juste un truc, c'est pour Villefranche. J'ai dit des bêtises ? Non, c'est pour Villefranche qui affrontera Quevilly en barrage. C'est ça sera Quevilly. Match aller 24 et 29 mai, c'est match aller-retour en plus. Non, et ben voilà, tu as tout dit. Donc, quasiment en même temps que les barrages Ligue 2, Ligue 1, bien sûr. Voilà, parce que normalement, si je ne me trompe pas, ça doit être le 26 mai, le jour de l'ascension. Le 26 et 29. Le jour de l'ascension. C'est ça ? Oui, voilà. Et qui affrontera le 18e de Ligue 1. Match retour dimanche, pas à Sochaux. Quelle question. Contre Saint-Etienne ou Metz, de toute façon. Quelle question, monsieur Frédéric Fitch. J'espère. Forcément que ça sera Sochaux. Bon, Madame Soleil, on verra bien. Écoute, si j'ai des dons, là, on verra. Allez, c'est à toi. Alors, en National 2, on revient juste sur Belfort qui a joué la semaine dernière son. Oui, face à Beauvais au stade Cerzian. C'est une défaite pour les Belfortains. 1-0. Et le maintien n'est pas encore assuré. Pas encore assuré, mais on espère que les hommes d'Anthony Encart vont justement se maintenir. Ce sera peut-être un potentiel adversaire du Racing s'il monte. Peut-être. Ou alors ce sera Jura Sud qui se déplace. Peut-être aussi, on verra. Qui se déplace du côté du FC Martigues, du leader Martigal, où ce sont les Martigaux qui sont imposés 3 buts à 1. Au classement, Jura Sud est 6e avec 41 points. Et ce week-end, ce samedi 21 mai, Jura Sud recevra l'équipe de Rumilly-Vaillères, donc les Hauts-Savoyards. En parlant de Savoyard, tiens. C'était la 28e journée de National 2. En National 3, on jouait la 23e journée. Où Mortemont-le-Bon s'est incliné du côté de Gognon 3 buts à 1. Grand-Villard et Mont-Solémine ont fait match nul d'un but partout. Jura Delois a battu la réserve de SS Chaumont-Béliard, qui a grillé son dernier joker pour la montée. Donc Jura Delois s'est imposé 4 buts à 1 devant le FC Sochaux-Montbéliard. Le Besançon Foot s'est imposé du côté de Vadin-Anversel, qui descend en Régional 1. Et oui, et qui perd son entraîneur pour la saison prochaine, parce que Yannick Tourneau qui va quitter le club. Il a fait beaucoup pour ce club de Val d'Aon. Qui a fait monter en National 3, d'ailleurs. Exactement, il l'a fait monter en National 3 et il quittera donc le club à la fin de la saison. Et puis, on le salue, bien évidemment. Et puis, le Racing Besançon s'est imposé du côté du CA Pontarlier, 3 buts à 1. Donc, vous pouvez voir sur la chaîne YouTube Soyons Sport le résumé, le grand format les meilleurs moments de cette rencontre filmée par toi-même, M. Frédéric Fitch, avec l'aide aussi de Florian, qu'on remercie. Au classement, le Racing Besançon continue son bonhomme de chemin vers la montée avec 53. Ah, il est heureux, là. Aide-le s'il est heureux. On va dire que c'est encore plus qu'une ultime marche contre le Besançon Foot à franchir. Et oui, il y aura le derby ce week-end. Venez toutes et tous du côté du stade Léo Lagrange pour un beau match entre deux belles Nous équipes. Nous y serons tous les deux en plus. Oui, on y sera tous les deux entre deux belles équipes qui ont fait un bon championnat. Hein, autant le Racing Besançon que le Besançon Football ont vraiment fait un bon championnat cette saison. Ensuite, deuxième, le FC Guignon avec 47 points. Donc cette montée jouera entre les deux, mais voilà. Mais maintenant, le Racing Besançon a, on va dire, les cartes en main. Et maître de son destin. Ouais. Exactement, et maître de son destin. Ensuite, c'est Jura Delois qui est troisième avec 45 points. Ensuite, la réserve du CSO Chaumont-Béliard est quatrième avec 44 points. Le Besançon Foot est cinquième avec 34 points. Ensuite, on retrouve Grand-Villard à huitième avec 29 points. Le CA Pontarlier qui est onzième avec 25 points. Mortemont-le-Bon est treizième avec 19 points. Et Valdaron ferme la marche et avec 12 points, puis relégué en Régional 1. Eh oui, c'est ça, donc c'est ce qu'on pouvait dire sur le National 3. Et ensuite, ce samedi, attends, c'est pas fini. Vas-y, on t'écoute. Outre donc le derby bisontin entre le Racing Besançon et le Besançon Foot, enfin entre Besançon Foot et Racing Besançon,
Le CA Pontarlier recevra Guignon, Mont-Soleil-Mines recevra Jura-Dolois, Grand-Villard recevra Selongey, Morteau-Mont-le-Bon recevra Paron et le FC Sochaux-Montbéliard recevra Valdat-Auversel. Et puis donc, en cas de victoire du Racing, les Racingmen montent en National 2. Ça sera la fête, la montée en National 2 en cas de victoire du Racing Besançon. Après plus d'une dizaine d'années d'absence. Face au Besançon Football, oui, c'est vrai que ça... On était descendu de National 1 il y a 10 ans, donc après... Ça fait déjà, ça passe le temps. Que le temps passe vite. Peut-être qu'on retrouvera un jour la Ligue 2 comme on l'a fait il y a bientôt 20 ans. Quoi. Donc, comment déjà National 2, ce sera bien. Déjà ensuite National 1. Et puis bien sûr, il faut toujours avoir l'ambition, toujours vouloir jouer plus haut, mais l'ambition raisonnée, parce que on peut vite retomber et puis avoir des problèmes aussi financiers. Donc il faut avoir des ambitions raisonnées. Mais c'est vrai que le club du Racing Besançon est un club historique, donc forcément il doit retrouver sa place sur l'échiquier du championnat de France. Et ça passe. Qui ont des paliers de longévité en Ligue 2, oui, 41 ans. Donc... 41 ans, donc il faut franchir des paliers. Enfin, plus la saison 2003-2004, donc ça c'est fait ça, construire une équipe, avoir des fondations solides aussi au niveau du club, que ce soit dans la formation, dans les plans des structures administratives, bref, vous l'avez compris, c'est un club, ça se structure, donc on verra en tous les cas ce qui se passera ce samedi. C'est terminé, oui. Monsieur Fitch ? Oui. Eh bien, c'est parfait. Un petit mot de handball, car... il y aura un match pour le SBF, la Ligue Butagaz Énergie qui reprend cette semaine, 25e journée avec Metz-Nantes, Chambéry-Dijon, Toulon-Bourg-de-Péage, Mérignac-Fleury, Brest-Paris, Celles-sur-Belle-Nice. Et puis les filles de l'ESBF se déplaceront du côté de Plan-de-Cuq. Donc ce sera ce 18 mai. Les premières rencontres que je vous ai citées, elles ont lieu à 20h. Et puis l'ESBF du côté de Plan-de-Cuq, le match aura lieu à 20h30, donc pour le compte de cette 25e journée. Et pour, je vais vous donner la 26e journée, car ça sera la dernière journée avec l'ESBF qui recevra Brest. Ça sera un gros match aussi du côté du Palais des Sports à 20h. Bon, c'est dommage que les horaires ne soient pas un petit peu décalés pour que les gens qui sont justement du côté du Racing Besançon puissent aller aussi encourager les filles de l'ESBF. Surtout que ce samedi, ça risque d'être un peu compliqué. Oui, pour après, ce match de handball aurait pu être mis à 20h30. En plus, c'est face à Brest. Bon, après, c'est pas nous qui décidons des horaires. Étant donné que peut-être l'éventuel événement qu'il pourrait y avoir. Oui, ça aurait été bien, comme il y a deux événements quand même dans la capitale comtoise. Ça aurait été sympa. Enfin bref, c'est comme ça. Et puis, il y aura aussi également Nantes-Toulon, Paris-Metz, Nice-Plan-de-Cuq, Bourg-de-Péage-Chambray, Fleury Celle sur Belle et Dijon Mérignac, donc on verra, on espère que les filles de Besançon sortiront vainqueurs de cette équipe face à cette équipe de Brest, et ça récompensera une très très belle saison, car pour le moment elles sont en quatrième position, elles ont fait quart de finale de la Coupe d'Europe, il ne faut pas l'oublier, elles sont en finale de la Coupe de France qui aura lieu le 11 juin, d'ailleurs on sera du côté de Bercy pour suivre cette rencontre, puis on espère comme on dit souvent, ramener la coupe à la maison, comme le dit si bien la chanson. Donc j'espère que ce sera le cas pour les filles de l'SBF, car elles le méritent. Elles ont fait vraiment des belles saisons sur ces... On remarque que ramener la coupe à la maison, c'était une Coupe du Monde. Hein, ouais, c'est ça. Puis c'est vrai que la Coupe du Monde de foot, oui, il y a 4 ans. Oui. C'est la première saison aussi de Sébastien Mizoul, qui prenait la suite justement de Raphaël Tervel et puis Sandrine Marie Oderlers. Donc c'est sûr que c'est jamais facile, mais en tous les cas, c'est une belle saison pour les filles de l'ESBF. Et là, c'est direction les filles de Palante. Ça y est, c'est fait. Et oui, l'année prochaine, c'est l'événement du Palante. Du et, oui, et oui, c'est aussi un événement, c'est la montée. La montée en division 2 pour les filles de Palante qui ont eu un match compliqué face à Épinal où elles s'imposent 25-23, mais c'est surtout la montée, la 26e victoire en 26 matchs. C'est quand même assez exceptionnel. Ça prouve aussi, comme on parlait tout à l'heure avec Cédric, de l'état d'esprit des Sochaliens. Eh bien, c'est pareil pour ces filles de Palante. Elles n'ont rien lâché, un état d'esprit irréprochable. Pardon. Et c'est surtout une montée en division 2. Bravo au staff, bravo aussi à Stéphane Delers, Arnaud Ménétrier qui est le préparateur physique. Car c'est important, comme on le disait tout à l'heure, une bonne préparation physique. À Chersec également, qui est aussi un de ses entraîneurs de Palante. Et bravo à toute cette équipe, car on a passé des très bons moments le dimanche du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouse. Mais je me demande même s'il ne va pas falloir construire un deuxième Palais des Sports, tellement il y a quand même trois équipes
de handball dans la capitale comtoise, c'est quand même énorme qu'ils vont jouer au plus haut niveau dans les deux divisions françaises, dans les deux premières divisions françaises, donc c'est quand même assez exceptionnel et on ne mesure pas assez peut-être la chance qu'on a d'avoir autant de sports collectifs dans ces divisions. Il y avait aussi de la lutte ce week-end, on en reparlera juste après, mais c'est quand même assez sympa. Et puis on parlait justement des filles de Palante. Mais justement, alors est-ce que cette saison sera peut-être prolifique pour les clubs byzantins au niveau sport, parce que entre le foot puis le hand 2, quoi. Et puis oui, bah après c'est juste ils reprennent simplement la place qui leur revient aussi également. Ils ont c'est des clubs ambitieux, c'est des clubs qui sont bien gérés, bien structurés, et c'est ça aussi important, parce que c'est bien de monter, mais il faut aussi que le club soit structuré pour éviter une descente l'année d'après, qui peut aussi condamner les clubs, hein. C'est jamais ça, mais en tout cas ces clubs sont bien gérés, et puis on passe de très bons moments. Et justement on va parler du Grand Besançon du handball, qui lui va entamer sa 39e saison, et puis les garçons se sont imposés du côté de Caen. Ils avaient deux matchs, un à Caen et puis celui de ce vendredi face à Angers. Il fallait gagner au moins une des deux rencontres. Eh bien, ils se sont imposés du côté de Caen, 32 à 29 dans une rencontre qu'ils ont plutôt bien maîtrisée, puisqu'ils menaient de plus 5, plus 6, même si Caen est revenu un peu sur la fin de match, mais ça n'a pas suffi. Les Byzantins seront donc en Pro League la saison prochaine. C'est le maintien assuré. Et c'est surtout une belle fête ce vendredi du côté du Palais des Sports pour ce dernier match face à Angers pour la 30e journée. Et puis sceller ce beau maintien acquis. Et par contre, du côté de la Nationale 1, il y a aussi des rencontres importantes avec le CS Vesoul également, avec Belfort, qui vont se disputer un petit peu cette première place, car on va regarder un petit peu quand même ce classement, mais surtout les résultats avec le CS Vesoul qui s'est incliné du côté de Bourgoin 30 à 28, ce qui a fait les efforts de cette équipe de Belfort qui elle s'est imposée du côté de Célestat 37 à 36. Et au classement, eh bien Belfort est en tête, 51 points différence, 58 pour 54 pour Vesoul qui est deuxième avec 51 points. Et donc la 22e journée, donc dernière journée, le CS Vesoul recevra Tremblay ce samedi 21 mai à 20h30, alors que cette équipe de Belfort recevra Metz à partir de 20h30, ce qui promet de belles luttes en perspective. Et puis un petit mot de lutte, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu un événement du côté du Palais des Sports ce week-end, avec la victoire, le nouveau champion de France, lutte gréco-romaine de Léo Tudesca, qui est autre que le fils de Max Tudesca, le président du CPB en lutte. Donc bravo à lui, bravo à notre nouveau champion de France. Eh bien, on va clore cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine. On espère avec Sochaux en barrage contre le 18e de Ligue 1. La montée du Racing Besançon. Et puis ensuite, pour les autres, c'est déjà fait, hein, les montées et le maintien. Donc, on regardera tout ça avec grand intérêt, en vous souhaitant une très bonne semaine, une bonne soirée. Il va faire chaud cette semaine. Ça va être sympa pour tout le monde. Et puis, on se retrouvera lundi prochain, même mieux, même heure. D'accord, Fred, t'es d'accord? Oui. On termine en beauté, en apothéose. On tirera des feux d'artifice depuis donc, la rue Berceau à Besançon. On va peut-être déjà samedi soir au stade Léo Lagrange, si ça se trouve. On l'espère en tous les cas pour les supporters du Racing Besançon. À Charletti ou au stade de BD Champs aussi, peut-être aussi pour les Sochaliens, si ça se trouve. Après Charletti, il y aura Auxerre cette semaine, ce vendredi. Donc lundi prochain, ça sera l'annonce du 18e contre peut-être, on espère, Sochaux. À ton avis, Metz ou Saint-Etienne pour toi? Je sais pas, après... Puisqu'on compte pas, on compte pas Bordeaux, puisque c'est... J'ai envie de te dire que le meilleur gagne. Que le meilleur surtout gagne. Surtout que Metz, ils ont un gros match, c'est le Paris Saint-Germain. Et Saint-Etienne, c'est Nantes. Saint-Etienne, c'est Nantes, donc c'est pas forcément moins simple. Donc que le meilleur gagne, c'est tout. Il faut que tous les clubs jouent le jeu. Et puis que le sport en sorte grandi. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite, comme je vous dis, une bonne soirée, une bonne semaine. Et puis on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 18h. On espérera commencer à l'heure, si ce fameux ordinateur veut bien arrêter ses mises à jour. On va déjà commencer demain soir la rediffusion. Oui, demain soir, bien joué, la rediffusion à 22h. Et puis lundi midi pour les premiers résultats déjà. Donc juste après le match contre le Paris FC. Donc
Allez, Sochaux. Et puis lundi midi, bien sûr, pour donner les résultats. Lundi midi, lundi prochain, tu veux dire. Oui. Car à midi, c'était déjà fait aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Fred. À bientôt. Bye bye. Mais il n'y a pas de rediffusion de Franche Info, puisqu'il est 20h31. Ah oui, on a débordé un peu parce qu'on est parti un peu en retard là, ce soir à cause de cet ordinateur. On s'excuse auprès de nos amis de Franche Info. Voilà, on s'excuse. Voilà, on a débordé un petit peu ce soir. Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye. Et puis à lundi prochain. Et puis, bien sûr, on est tous avec les Sochaliens pour ce match face. Donc au Paris FC du côté de Charletti ce lundi soir, même si on ne peut pas être sur place, eh bien, on sera en pensée et puis ça poussera, on espère, cette équipe sochalienne. Merci beaucoup, bye bye, à lundi prochain. Le roi des animaux à toute griffe, notre lion va laisser